Bonjour à tous, on se laisse encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour laisser à tout le monde le temps de se connecter avant de commencer notre webinaire. Je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'EIC Accélérateur, comment financer les innovations de rupture jusqu'au marché. Donc, pour ce webinaire d'information sur ce nouveau dispositif, nous vous proposons une petite introduction pour nous présenter et pour resituer l'accélérateur dans le nouveau dispositif, dans le nouveau programme européen Horizon Europe. Puis, le plus important, un zoom sur le fonctionnement du dispositif, avec en plus le témoignage d'Annie Chéry, CEO de Thiive, une des premières, voire même la première entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes à avoir bénéficié du Blended Finance. Et puis pour finir, nous vous proposerons quelques mots sur les accompagnements existants et à votre disposition pour augmenter vos chances de succès si vous décidez de candidater à l'EIC Accélérateur. Nous avons prévu 2 temps de questions sur la matinée, un temps spécifique pour les questions que vous souhaiteriez adresser à Annie après son témoignage, et puis un temps de questions un peu plus large en fin de matinée pour toutes les autres questions auxquelles nous pourrions répondre. Nous avons prévu un créneau de 2 heures, on va essayer de faire un peu plus court, parce qu'on sait que 2 heures de webinaire, ça peut être assez long à suivre et que vous êtes bien occupés par ailleurs. Donc, je me lance. Nous sommes, en plus d'Annie, aujourd'hui, 3 intervenantes ce matin et nous intervenons toutes sous couvert des CCI, donc des chambres de commerce et d'industrie locales. Donc, moi-même, Sophie Massola, CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, Estelle Périnel de la CCI de Grenoble et Fanny De Kit de la CCI de la Drôme. Et nous intervenons toutes, notamment dans le cadre. Pardon. Du réseau Entreprises Europe Network, donc le réseau EEN. Ce réseau, créé en 2008 par la Commission européenne sur la base de réseaux préexistants, a pour objectif d'accompagner la croissance et la création d'emplois des PME européennes. Il s'appuie sur des acteurs locaux en région et est présent dans tous les pays de l'Union européenne, plus une trentaine de pays partenaires. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes 2 partenaires, les CCI, sous couvert de la CCI de région, et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et nous proposons dans ce cadre-là tout un panel de services orientés pour les PME, vers les PME. Oh, pardon, il y a un petit bug dans ma présentation, forcément. Les services orientés pour les PME se font autour de 3 thématiques. La première thématique qui sont des partenariats internationaux, avec l'objectif d'aider la création de partenariats commerciaux, techniques ou R&D entre des entreprises de notre territoire et les restes du territoire du réseau. Une thématique conseil, avec un focus sur les conseils, réglementations et normes pour la mise sur le marché de nouveaux produits ou nouveaux services et des conseils spécifiques sur le juridique à l'export. Et la dernière thématique, la thématique de l'innovation,
avec deux grands thèmes, le financement de l'innovation et le management de l'innovation. Et c'est dans le cadre de nos accompagnements EEN autour du financement de l'innovation que nous intervenons aujourd'hui, avec pour mission de vous éclairer sur le lycée accélérateur. Au cours de la programmation Horizon 2020, l'Europe a fait le constat que nous n'arrivions pas à finaliser d'un point de vue industriel et commercial les percées R&D qui étaient produites en Europe. Et c'est sur la base de ce constat qu'a été lancé en 2018 le pilote d'une nouvelle structure qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation, qui regroupait quatre dispositifs de financement préexistants, mettant le focus sur l'innovation. Aujourd'hui, 20 mai, a lieu le lancement officiel de Horizon Europe. Et c'est dans le cadre de Horizon Europe, le nouveau, qui est le nouveau programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et pour l'innovation, qui est lancé aussi officiellement le Conseil européen de l'innovation. Le Conseil européen d'innovation fait partie du troisième pilier d'Horizon Europe et a pour objectif d'accompagner les entreprises innovantes pour créer et pour prendre des leaderships sur des marchés européens et des marchés mondiaux. Le Conseil européen d'innovation, pardon, porte aujourd'hui trois dispositifs financiers. Le premier dispositif, qui s'appelle le Pathfinder ou éclaireur en français, vise à détecter et à développer des innovations technologiques de rupture, donc des innovations issues de la science, à haut potentiel de création de marché, mais aussi à haut risque, à moyen et long terme. Donc le Pathfinder s'adresse à des projets qui ont des TRL 1, 2 jusqu'à 4. Il est organisé autour de deux voies d'accès, donc des calls, des appels qu'on va dire open, donc sur toutes les thématiques. Le premier call a déjà eu lieu. Et puis des appels challenge, donc sur des thématiques spécifiques sélectionnées par la Commission européenne. Le prochain call aura lieu au mois d'octobre et portera sur des thématiques de l'hydrogène, des thérapies géniques et cellulaires, du tissu cérébral, conscience et intelligence artificielle et des matériaux vivants. Le Pathfinder est plutôt un projet qui peut être collaboratif. C'est minimum pour les challenges, minimum un participant, ça peut être plus, et 4 millions d'euros de subventions. Le deuxième dispositif, qui s'appelle l'EIC Transition, est vraiment une nouveauté. Il vise le développement et la validation des technologies issues, par exemple, des Pathfinder en vue d'une future commercialisation. Donc, il s'adresse à des projets qui ont des TRL de 4 à 5, voire 6. Là aussi, organisé soit sur des appels open, donc ouverts à tout sujet, soit sur des appels challenge. Un appel prévu sur 2021 au mois de septembre. Ça peut être monodéposant ou partenarial. L'appel challenge fait un focus sur les dispositifs médicaux et les méthodes de récupération de stockage d'énergie. Et pour être éligible à l'EIC Transition, il faut que le projet présenté soit la suite d'un projet Pathfinder, soit déjà existant, soit dans sa version pilote, soit un projet issu des ERC POC, fait open, fait proactive ou flagship. Et puis enfin, le dernier dispositif, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le dispositif EIC Accélérateur, qu'Estelle va pouvoir vous présenter à l'instant. Je mets mon micro. Bonjour à tous. Donc, je suis Estelle Périnel, je suis chargée de développement international, spécialisée aussi sur les programmes de financement européen. Je travaille au GREX, à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, et je suis membre du réseau Enterprise Europe Network. Alors, je vais vous présenter plus en détail le dispositif EIC Accelerator, anciennement connu sous le nom de SME Instrument. Je prends la main. Normalement, je dois pouvoir. Ah, j'arrive pas à passer la diapo. Voilà, c'est parti. C'est bon pour moi. Il y a un petit temps de latence. Alors, l'EIC Accélérateur, comme le disait Sophie, c'est un dispositif de financement européen dont l'objectif est d'amener une innovation de rupture sur le marché. Donc, on est vraiment sur des projets business. L'EIC va concerner comme cible prioritaire les startups, les PME et exceptionnellement les ETI de moins de 500 personnes. C'est un dispositif qui est fait hors consortium, il n'y a pas de consortium, donc l'entreprise est monodéposante et l'entreprise doit avoir un projet innovant d'une maturité technologique
étant un minimum à un TRL 5 ou 6. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur cette notion de TRL. Mais en gros, TRL 5 ou 6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un prototype et que vous avez fait une démonstration dans un environnement démonstratif. Par exemple, vous avez une première version et cette version, elle est non finalisée, mais elle peut déjà être testée par des utilisateurs qui peuvent déjà l'utiliser. Voilà, donc vous avez quand même déjà des premiers retours de prospects ou de clients sur votre produit. Alors, vous avez un projet d'innovation impérativement dite de rupture. Donc, vous êtes une start-up ou une entreprise dans le domaine des deep tech avec une volonté de croître très rapidement, donc ce qu'on appelle les scale-up, hein, volonté de croître. Donc, on estime à 2 à 3 ans la mise sur le marché maximum de votre produit et évidemment sur des marchés européens et mondiaux. Donc, la spécificité de l'EIC Accelerator, c'est que la Commission européenne va financer les innovations risquées, donc le deep tech. C'est-à-dire que les investisseurs privés vont être un peu frileux en principe pour financer de par le caractère nouveau de votre innovation, puisque vous allez bousculer ce qui existe déjà sur le marché, vous créez quelque chose de nouveau voilà, les montants sont aussi assez conséquents. Donc via le EIC Accelerator, la Commission européenne va pallier à ce manque. C'est bon, là c'est passé rapidement. Alors, le EIC Accélérateur, pour quel financement? Il y a deux types de financement. La subvention seule, vous pouvez demander la subvention seule, alors avec un petit bémol, j'y reviendrai après, et un financement mixte, dit le blended finance. Alors, la subvention seule, elle va couvrir 70% des dépenses éligibles qui seront présentées lors de votre dépôt. Donc, elle est plafonnée à hauteur de 2,5 millions d'euros et elle va financer le passage d'un TRL 5-6 à un TRL 8. Alors, je m'explique. Ce sera tout le travail de développement de la technologie. Donc, on va retrouver les activités de prototypage, de design, la mise en place de pilotes de production, des pré-séries, des tests chez les utilisateurs, du travail de qualification, de la mise en place aussi de la stratégie marketing et commerciale. Et puis, vos stratégies propriété intellectuelle extrêmement importantes hein, pour l'EIC Accelerator, donc l'extension de brevets, etc. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de demander le financement mixte, donc le blended finance, qui est à la fois vous demander la subvention pour financer toujours ce passage de TRL 5 à 8, et vous allez avoir la possibilité de demander de l'equity. Alors, de l'equity, c'est l'intervention au capital de la Commission européenne dans votre société. Donc là, on est sur du dilutif. On va avoir l'occasion de détailler cet aspect avec Annie Chéry de T-Hive, qui a été l'une des premières entreprises à tester le dispositif Blended Finance. Donc, il nous fera un retour sur ce dispositif. Vous pouvez demander jusqu'à 15 millions d'euros. Et généralement, l'equity sera destinée à financer le passage d'un TRL 8 à 9. Alors, on est encore sur cette échelle de TRL, mais en gros, c'est toute la mise à l'échelle, le scale-up. Donc, la stratégie commerciale, le déploiement à l'international, la commercialisation, la production industrielle, etc. Alors, oui, je voulais vous parler du fait que demander la subvention seule, ce n'est pas si évident parce que, il va falloir prouver à la Commission européenne que vous avez déjà les ressources internes pour financer ce TRL 9, enfin ce passage de TRL 8 à 9, hein, le déploiement commercial, et que ce n'est pas forcément évident quand on est une start-up en phase de développement à l'international, il faut déjà avoir les fonds, il faut déjà avoir l'équipe, etc. Donc faites bien attention quand même quand vous demandez le grant only. Alors, les nouveautés cette année de l'EIC Accelerator qu'il n'y avait pas l'année dernière sur les SME Instruments, c'est qu'on est sur des appels bottom-up, donc open, et challenges top-down. Open, c'est ouvert à toute thématique. Vous avez un projet de rupture innovant, vous êtes une scale-up, etc. Vous pouvez postuler à l'EIC Accelerator. Et puis, la Commission européenne a décidé cette année de mettre l'accent sur trois thématiques qu'elle juge prioritaires, qui sont les strategic digitals, les health technologies et le Green Deal. L'avantage, si vous postulez à un challenges, c'est que vous voyez qu'il y a un budget qui est quand même assez conséquent de 495 millions d'euros, contrairement, aussi pour l'open, mais en gros, ça laisse plus de fonds, j'ai envie de dire, si vous participez ou si vous êtes dans le champ d'un challenges.
Alors, voici globalement ce que couvrent les thématiques des challenges. Tout ce qui est numérique, stratégie du numérique, technologie du numérique, vous avez l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, la blockchain, la cybersécurité, les technologies de l'IoT, etc. Tout ce qui est technologie de la santé, donc le IA pour, la IA pour le diagnostic thérapie cellulaire et, pour le diagnostic, la thérapie cellulaire et génique, je vais y arriver, tout ce qui est e-santé, biomarqueurs, etc. Et puis le Green Deal, donc qui sont les innovations qui correspondent aux objectifs de l'Europe qu'elle s'est fixée sur le développement durable. Donc avec une priorité sur les énergies renouvelables, avec l'accent sur l'hydrogène, la rénovation énergétique des bâtiments, l'industrie bas carbone, les batteries système de stockage. Je n'ai pas tout marqué parce qu'il y en a, il y en a pas mal. Je vous ai mis des liens à la fin de la présentation où vous pourrez de toute façon consulter les documents où toutes les thématiques sont extrêmement bien détaillées et vous pouvez voir si vous correspondez aux thématiques souhaitées par la Commission européenne. Alors, comment postuler à l'EIC Accélérator? Cette année, ça se fait en trois étapes. Ça se fait en trois étapes. C'est tout nouveau, donc ça vient de se mettre en place. Vous allez tout d'abord commencer à déposer ce qu'on appelle une short application sur une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle la AI-Based Platform. Pareil, je vous mettrai les liens pour vous connecter à la fin de la présentation. C'est une plateforme qui a été développée par une société française qui s'appelle Inoloop. Et sur cette plateforme, vous allez vous créer un profil, donc vous enregistrer, et vous allez devoir répondre à une dizaine de questions. Ces questions vont être limitées par des champs, par de vont être limitées en général de 500 à 1000 caractères. Ces questions vont concerner votre technologie. Donc, est-ce que c'est une technologie de rupture, à quel niveau de TRL vous vous situez? Elle va porter aussi également sur votre modèle économique, quels sont les clients que vous visez, pourquoi, et puis votre équipe, les ressources que vous allez mettre en place pour gérer le projet. Vous allez aussi devoir présenter ce qu'on appelle un pitch deck, donc c'est une présentation de 10 slides maximum, libre, il n'y a pas de modèle prédéfini, donc vous êtes libre de le constituer comme vous le souhaitez. Donc pareil, vous présentez votre projet, votre modèle économique, et votre équipe. Et puis, vous allez devoir réaliser une petite vidéo de 3 minutes maximum, où là, vous allez plutôt mettre l'accent sur l'équipe et le management de projet, les ressources dont vous avez besoin, donc pour reconstruire le projet, voilà, mettre en avant les compétences qu'il y a au sein de votre entreprise. Alors, la short application est ouverte en continu depuis le mois d'avril, avec un petit bémol. On vient d'être averti par la Commission européenne tout récemment. Que les dépôts des short applications sont gelés aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, jusqu'au 22 juin, parce que la Commission européenne a déjà reçu plus de 1200 candidatures, donc ce qui est plutôt assez conséquent. Donc elle se laisse jusqu'au 22 juin pour relancer le dépôt des short applications. Alors, en termes d'évaluation, ah oui, je voulais vous dire que c'est préférable aussi, alors c'est pas obligatoire, mais dans la réalité, c'est préférable de tout faire en anglais. Donc, vous déposez votre dossier, votre pitch en anglais. Comment vous allez être évalué? Une fois que tout est déposé sur la plateforme, il y a quatre experts de profils très différents. Donc, ce sont des experts qui peuvent avoir un profil de chercheur, des profils business ou marketing, profil de financement, etc. Donc, il va être extrêmement important aussi de bien vulgariser dans votre dossier la technologie. Partez du principe que vous ne vous adressez pas à des personnes qui sont spécialisées dans votre domaine d'activité. Donc, il faut que ce soit compréhensible à une personne qui ne soit pas du domaine. Alors, vous avez quatre experts qui vont évaluer votre short application dans un délai de 4 semaines maximum et vous allez avoir deux réponses possibles suite à l'évaluation. Ça se présente sous forme de go et de no go. Donc, on n'est plus sur des notes comme il y avait auparavant. Maintenant, on est sur des go et des no go. Si vous obtenez au moins deux go, vous passez en step 2. Donc, step 2, c'est le dépôt de la full application, où vous avez 12 mois pour déposer votre full application. On y reviendra tout à l'heure. Et si vous obtenez 3 ou 4 no go, vous allez avoir droit à une seule resoumission possible à la short application à tout moment. Si malheureusement votre dossier est rejeté une deuxième fois, vous allez avoir un temps de latence de 12 mois avant de pouvoir redéposer. Alors, est-ce que. Voilà, c'est bon.
Voilà, donc vous arrivez sur le deuxième étape, c'est parfait, vous avez été retenu pour déposer la full application. Comment ça se passe? Bah, c'est la même chose en fait, hein. Vous repartez sur la plateforme d'intelligence artificielle où votre profil est créé et là vous allez pouvoir soumettre votre full application qui est un business plan extrêmement détaillé sur voilà qui reprend en fait les principaux éléments de la short application, mais où vraiment vous avez vraiment sécurisé votre projet, hein. Vous allez parler de votre technologie de rupture, qu'est-ce qu'elle apporte au marché que les autres n'apportent pas, qu'est-ce qui vous différencie, votre stratégie de propriété intellectuelle, votre portefeuille de brevets, votre stratégie de commercialisation à l'international et comment vous envisagez votre scale-up, donc votre industrialisation et votre mise, votre passage à l'échelle, etc. Donc là, on est vraiment dans un plan, dans un business plan très, très détaillé. Vous allez également soumettre encore un nouveau pitch deck, donc de 10 slides maximum. C'est très important de bien le travailler à ce moment-là, puisque ce pitch deck va être. Alors attendez, il y a eu un petit souci. Hop, je repars sur la slide. Voilà. Ce pitch deck va être utilisé si vous êtes retenu à la session du pitch. C'est ce pitch-là, c'est ce pitch deck qui sera pris en compte. Donc, travaillez-le bien à ce moment-là. Donc, la full application a été ouverte depuis 3 jours, donc depuis le 17 mai. Hein, vous pouvez soumettre votre full application que depuis 3 jours. Il y a deux cut-off butoirs pour soumettre la full application qui est le 16 juin. Donc là, c'est un peu juste pour soumettre, on est d'accord, une full application ce 16 juin-là. En revanche, vous avez jusqu'au 6 octobre pour soumettre une full application si vous entamez tout de suite des dépôts. L'évaluation, comment ça se passe? Donc là, vous allez être évalué par 3 experts. Vous aurez la réponse 5 semaines après la date du cut-off que vous aurez sélectionné, hein. Donc, par exemple, 5 semaines après le 6 octobre, au maximum, pour votre réponse. Si vous obtenez 3 go, bah, c'est parfait. Vous passez à l'étape 3 et vous allez pitcher devant la Commission européenne. Si vous avez au moins un no-go, vous allez avoir droit à une seule resoumission possible. À la full application, à un cut-off de votre choix. Et si vous êtes malheureusement rejeté une deuxième fois, bah pareil, vous avez un temps de latence de 12 mois pour bien retravailler votre proposition et pour pouvoir resoumettre. Alors, si vous arrivez à l'étape 3, vous allez pouvoir aller pitcher à Bruxelles, donc on espère normalement ben, en présentiel. L'année dernière, pour le UX Accelerator en phase de test, ça s'est fait malheureusement en visio, hein, à cause bah, des conditions sanitaires. Voilà. Donc, le pitch à Bruxelles, vous êtes sélectionné au maximum 6 semaines après la date du dernier cut-off. Donc, ça va très vite, hein, pour la réponse, entre le moment où vous avez la réponse de la full application jusqu'à où on vous prévient d'aller pitcher, il faut compter une semaine à 15 jours grand maximum. Donc, il faut quand même être préparé. Vous allez présenter 10 minutes votre projet, toujours en anglais, donc face à la Commission européenne, et vous allez avoir ensuite 30 minutes de questions-réponses. Donc c'est un jury de 6 experts qui va vous poser des questions, qui va vous évaluer sur votre business plan, voilà, qui va vous poser plein de questions sur votre projet. Donc là, on a 4 possibilités, 4 alternatives de réponses possibles. Si vous avez un go, eh ben, c'est parfait, vous allez pouvoir préparer votre contrat et signer votre contrat de subvention et mettre en route, si vous avez demandé l'equity, une due diligence. Si vous avez comme réponse un no-go with second chance, vous allez avoir une seule fois la possibilité, de resoumettre au pitch, donc vous allez resoumettre à un cut-off du pitch qui sera proposé. Si vous avez un no-go with Seal of Excellence, c'est un label qui est délivré par la Commission européenne, vous allez pouvoir resoumettre. Alors, attendez, hop. Voilà, vous allez pouvoir resoumettre, mais à l'étape 2, donc c'est-à-dire que vous êtes obligé de réécrire la full application, de bien retravailler votre projet. Vous allez avoir un privilège d'être accompagné par ce qu'on appelle les points de contact nationaux et le réseau Enterprise Europe Network. Donc, c'est un accompagnement de plusieurs jours qui va vous permettre aussi de vous mettre en relation hors le IC Accelerator via d'autres investisseurs et de voir aussi quelles peuvent être les alternatives de financement pour votre projet. Et puis, malheureusement, si vous avez un no-go rejected, bah, vous allez pouvoir resoumettre
à la full application, mais sans accompagnement des points de contact nationaux. Et pareil, si vous êtes rejeté encore une deuxième fois, bah, il y a un temps d'attente de 12 mois, hein, comme les cas de figure précédents. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec la slide qui veut pas s'enclencher. Slide suivante. Voilà. Alors, les critères d'évaluation, que ce soit pour la short ou la full application, vous avez trois critères d'évaluation qui sont regardés systématiquement. Donc, c'est l'excellence. Il faut que votre innovation soit risquée, de rupture, que voilà, elle ait la capacité de bouleverser les marchés existants. On va regarder votre maturité de développement technologique et votre faisabilité technologique, votre stratégie de propriété intellectuelle qui est très importante pour le UX Accelerator, etc. Vous allez être également noté sur l'impact, donc tout ce qui est potentiel en termes de scale-up, changement d'échelle, votre impact qu'aura le projet sur l'économie, le sociétal, l'environnemental. Il y aura un focus très particulier, notamment si vous partez sur un challenge. La seule différence avec Open et Challenges, c'est que si vous postulez à un challenge, vous allez avoir un champ supplémentaire qui vous sera demandé. Par exemple, pour le Green Deal, vous postulez à un challenge Green Deal où vous allez devoir expliquer beaucoup plus en détail bah, votre impact environnemental par rapport aux thématiques du Green Deal que la Commission européenne souhaite financer. Et puis, bah, votre business model, vos clients potentiels, les partenaires, etc. Et enfin, le dernier niveau d'évaluation, c'est le niveau du risque et la mise en œuvre, et besoin de l'Union européenne. Donc là, on va regarder votre équipe. Est-ce que vous avez les compétences en termes techniques, commerciales, et puis vos motivations, la motivation de l'équipe. La Commission européenne va être également très regardante sur tout ce qui est gender, ce qu'on appelle le gender quality, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des femmes aussi dans votre équipe. C'est assez important pour la Commission. D'ailleurs, la Commission européenne, pour l'UIC Accelerator, cette année, a prévu de reverser un certain pourcentage de fonds, enfin, en tout cas, a dédié un pourcentage de fonds dédiés exclusivement à des CEO femmes. Votre capacité à mener un projet, donc les work packages que vous allez soumettre, les milestones, les indicateurs de performance, et puis le niveau et la gestion du risque d'investissement, c'est-à-dire que vous connaissez les risques que votre projet va présenter, vous savez comment vous allez les surmonter et vous avez besoin de la Commission européenne pour les surmonter. Voilà. Alors, je suis désolée, la slide est bloquée encore une fois. Parfait, merci. Alors, voici les liens utiles. Donc, je vous ai mis le lien voilà, pour vous créer votre compte sur la plateforme d'intelligence artificielle si vous voulez voir déjà à quoi ça ressemble. Vous pouvez tout à fait créer un profil sans déposer. Vous verrez, il y a pas mal de modules. Il y a quatre modules, dont un pour tester votre projet qui est complètement libre de droit. Ça n'engage à rien à soumettre par la suite. Donc, vous pouvez regarder votre projet via la plateforme et puis vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Je vous ai mis un lien aussi sur toutes les spécificités de l'EIC Accelerator. Ça regroupe bah, les guidelines et puis ce que je disais, tous les challenges où vous retrouverez le détail des thématiques proposées par la Commission européenne. Et un petit guide for applicants que je trouve très bien fait aussi, qui reprend en gros les structures des champs, enfin des questions qui vont vous être posées, que ce soit pour la short application et pour la full application, vous avez des modèles et les questions qui vous seront posées. Donc, ça vous permet de travailler en amont avant le dépôt. Voilà. Et je vais passer la main à Annie Chéry, si j'arrive à passer la main, voilà, qui est le CEO de T-Hive et que je remercie d'être présent avec nous aujourd'hui, qui va vous présenter ben, le projet qui a été soumis à l'UIC Accelerator et puis ben, son retour d'expérience sur le Blended Finance. Merci à tous. Je laisse la main à Annie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Estelle, merci beaucoup Sophie et Fanny. Donc je m'appelle Hani Chéry,
l'un des cofondateurs de T-Hive Technologies et le CEO. Je suis très ravi d'être parmi vous parce que c'est un sujet qui est effectivement très émotionnel quelque part, mais en même temps très tangible. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses positives à vous transmettre et des tips and tricks effectivement à partager avec vous. On était, comme mentionné par Sophie et Estelle, on était vraiment la toute première startup en Auvergne-Rhône-Alpes, à Grenoble, qui ont eu ce financement. C'était vers fin 2019, juste avant la crise sanitaire, c'était pas facile du tout, mais quelque part, on était résilients quelque part pour être bien accompagné d'un côté, par rapport à notre écosystème autour de Grenoble et Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi avec la Commission européenne qui nous a effectivement bien aidé pour passer cette vague et là, effectivement, booster et accélérer T-Hive. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un juste peut-être faire un... C'est bon? Ok, très bien. Je vais voir si je vais arriver à faire... je ne vois pas les gens, mais je vois juste... OK, T-Hive, juste ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais partager avec vous quelques informations sur T-Hive. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on avait fait effectivement? Et pourquoi on était sélectionné par l'EIC Accelerator? Et raconter un tout petit peu notre histoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, je dirais même hier soir. C'est des news qui tombent jour après jour. Who is T-Hive? T-Hive, on est une entreprise qui a une mission. D'aider l'industrie, les industriels autour dans le monde, d'épargner, effectivement, d'optimiser leur utilisation de matières premières tout en assurant leur qualité de produit. Et c'est grâce à une technologie de rupture qu'on avait développée chez nous, qui s'appelle le terahertz. C'est une forme de lumière électromagnétique qui voit à travers la matière et qui peut détecter des différentes choses comme des défauts, de contamination. On peut mesurer même la quantité de la matière première. Et avec de l'intelligence artificielle, on est capable d'analyser cette information en temps réel. Et ce qu'on fait effectivement, c'est qu'avec cette technologie, on va déployer des caméras qui voient à travers la matière, qui vont analyser de la matière première pendant la production. Et on va donner de l'information importante aux opérateurs de type, il y a un contaminant, il y a une dérive, par exemple, sur l'utilisation de la matière première, etc. Ça veut dire, à la fin, il y aura un impact économique, écologique et aussi impact sur la qualité de produit. Plusieurs impacts. Voilà, on est à Grenoble. On a été fondé en 2017. L'une des deep tech startups qui sont soutenues aussi par la BPI France. On vient d'avoir un autre financement aussi qui s'appelle Aide Deep Tech. On n'a pas encore communiqué là-dessus. Mais c'est une technologie de rupture qui est très recherchée aux États-Unis, en Chine. On est vraiment à l'état de l'art au niveau mondial. Et on complète l'Imaging Valley quelque part. L'Imaging Valley à Grenoble où il y a l'infrarouge visible, la rayon X, etc. avec le terahertz. Et nous, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui. On a démarré avec deux personnes, on a multiplié par 10 pendant 3 à 4 ans. Ce qui est très intéressant aussi, très important, c'est que notre technologie est à la base de silicium. Pour ceux qui connaissent un peu silicium, c'est comme un mini Silicon Valley, il y a ST Microélectronique, il y a Soitec, etc. C'est une technologie industrielle qui va nous permettre de faire un scale-up. Je parle de ça parce que il y a quelque chose d'important que je vais partager juste après. Ça, c'est notre équipe. Il y a un peu plus de gender balance. Malheureusement, lors de cette photo, il y avait 5 femmes qui n'étaient pas présentes. On a beaucoup plus de femmes, mais on va faire aussi, bien sûr, l'effort. C'est notre mission aussi d'arriver à 50-50 même de gender balance chez T-Hive. On est cité par pas mal de différentes news outlets comme Wall Street Journal, BFM Business, BSmart, etc. Après notre financement, et c'est là où je commence à parler de EIC Accelerator, on a eu effectivement 8 millions euros de blended financing, 2 millions 3 de subventions, 6 millions 3 de equity. Ça veut dire
la Commission européenne devient un partenaire en equity, en capital chez T-Hive. Et bien sûr, ce news est très important pour nous, notamment, non seulement pour la partie argent, au financement, mais aussi parce que ça donne aussi un coup de boost et un label très important par rapport à la technologie et par rapport à nos solutions sur le marché. Ça résonne un tout petit peu avec ce que Estelle nous a présenté juste avant. Nous, on est une deep tech startup. Par contre, on a un focus marché. Donc, c'est ça ce qui est très important aussi à communiquer, à vous communiquer, qu'il ne faut pas venir avec je fais du terahertz ou je fais de l'intelligence artificielle ou je fais de blockchain j'ai 50 applications à faire. Donc, non, non, absolument pas comme ça. Donc, nous, on est venu avec une application très spécifique qui va avoir un impact très tangible. Donc, on est venu effectivement avec la technologie, bien sûr. On avait des proof of concepts à TRL 5-6. Par contre, on avait des customer interests, donc des clients qui avaient des intérêts très spécifiques. Quand on parle d'intérêts spécifiques, donc ça, c'est le travail de 2017 jusqu'à 2020, ça veut dire on avait testé notre technologie avec des applications spécifiques. On avait des résultats positifs qui a suscité l'intérêt de ces clients. Et les clients, ils ont dit, OK, on voudrait aller plus loin. Donc, c'était ça vraiment l'effet déclencheur. Mais on va avoir un peu plus de critères qu'on va parler juste après. Et là, aujourd'hui, ce qu'on développe, ce qu'on avait développé et ce qu'on développe maintenant, c'est Inline Monitoring System. Donc, c'est un système de monitoring qui va, et là je vais aller dans les détails, même si je ne l'écris pas ici, on mesure la quantité de certains polymères des couches de bébé pour optimiser l'utilisation de ce polymère. Donc là, les gens ils disent, ah oui, mais c'est quoi le lien avec le terahertz? C'est un deep tech, et là tu parles de couches de bébé et produits hygiéniques de femmes. Mais en fait, c'est ça ce qui est important, parce que quand tu parles d'une application très spécifique, bah, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont tout de suite comprendre que, ah, OK, bah, ça, c'est l'application. Quel impact? Bah, là, on va commencer à parler de l'impact écologique, économique, sociétal, etc. Et là, après, il va dire, ah oui, mais en fait, si tu arrives à mesurer ce polymère dans les couches de bébé qui absorbe le pipi, bah, effectivement, ça veut dire que peut-être aussi tu peux le faire pour l'agroalimentaire, pour, etc. Et là, tu te dis, ah oui, très bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de dire, on a tous ces applications, tu commences avec une application sur laquelle tu travailles et tu as des acteurs sur le marché qui ont montré un intérêt très spécifique. Et là, ça fait un effet déclencheur. Donc, le 2,3 millions du EIC Grant finance effectivement cette pré-industrialisation de MVP, Minimum Viable Product, jusqu'à TRL 7, TRL 8, avec un programme de pilote, ce que nous, on appelle Early Access Program. Donc, c'est un programme de pilote avec des acteurs de ce marché où on va effectivement tester cette technologie chez eux. Et on va arriver à TRL 7, TRL 8. Suivi par la phase TRL 8, TRL 9. Donc, c'est là où EIC Fund intervient avec 6 millions 3 pour la mise sur le marché. Donc, on parle bien sûr du pilot, c'est une mise sur le marché, mais ça, c'est plutôt go-to-market financing. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va optimiser le coût de production chez nous. On va produire à l'échelle, on va développer notre business model, on va développer notre déploiement et on va aller déployer. Donc, c'est là où le 6 millions 3 intervient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 6 millions 3 attire là aujourd'hui, actuellement, attire d'autres 6, 7, 8, 9, 10 millions de financement d'autres VCs. Parce que l'étape, ce qui était juste avant, c'était l'étape la plus risquée. Ben là, ça devient dérisqué. Voilà. Donc ça c'est le en vous donnant un tout petit peu des exemples de comment nous on gère les choses et comment l'EIC avait effectivement perçu notre projet. Donc je vous donne juste un exemple de qu'est-ce que c'est Ditech. Donc nous on fait des terahertz caméras. Donc on développe des puces microélectroniques qui travaillent dans les champs dans électromagnétiques terahertz. On développe aussi des sources. On développe de l'intelligence artificielle, de machine learning.
On développe de l'optique, du micro-packaging, du mécanique, du casing. Donc, vraiment, c'est tout un système à développer. Donc, les VCs, ils regardent ça et ils disent, Oh my God, c'est impossible de vous financer. Peut-être, et malheureusement ou heureusement, peut-être aux États-Unis, ils regardent ça et ils disent, Ah, bah, bravo, très bien, on va vous donner 10 millions. Bah, l'EIC Accelerator est là pour dire, OK, bah, les VCs en Europe, malheureusement, ils sont un tout petit peu réticents par rapport à ça. Bah, ils disent, Ah, si ces genres de projets existent, avec des marchés spécifiques, bah, on vous dérisque, ou quelque part, j'aime pas beaucoup le mot dérisque, je dis on vous finance, on vous accélère pour développer ça. Donc nous aussi, on développe de l'intelligence artificielle, donc quelque part, les VCs en Europe, ils disent bah, déjà, je finance juste les AI et pas le hardware, ou je développe juste le hardware et pas le AI. Bah, la Commission européenne avait trouvé que c'était plutôt sympa de faire tout ça ensemble. Donc, quelques tips quelque part que je voudrais vous donner pour accélérer ou pour improve your chances pour gagner le EIC Accelerator. Et je vous balaye un tout petit peu des choses. Donc, vraiment, prenez ça comme ça. Ça, c'est ma perception en tant que CEO de T-Hive. Je vais les lire tout simplement. Vous avez un breakthrough technology. Vous avez une proposition de valeur très spécifique. Par contre, qui est scalable, il ne faut pas oublier ça. C'est pas genre, je vais développer quelque chose juste par Airbus pour qu'il achète et après, c'est difficile de le vendre pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas contre Airbus, c'est juste, je veux dire, c'est comme exemple. Il faut montrer que ta technologie et la proposition de valeur est scalable. Il faut avoir un impact global, au moins européen, mais global si c'est possible. Et il faut avoir un early adoption du marché. Donc, Early adoption, ça veut dire quelqu'un qui a payé, quelqu'un, même s'ils n'ont pas payé des millions, ils ont payé quelques milliers ou dizaines de milliers. Et il faut montrer que tu as l'ambition avec un projet cohérent. Et ça, vraiment, mettons ça vraiment tous dans notre tête. Cohérent, c'est très important. Parce que j'ai, en fait, au tout début, on avait vu effectivement comment certains de nos amis. Qui ont postulé, ils disent, je vais faire ça, mais en fait, le projet, il fait ça. Ben, non, il faudra que tout le projet qui va être construit doit être effectivement complètement cohérent avec la liste que tu as, que tu vois ici, devant tes yeux. Désolé, je tutoie tout le monde. Donc là, je balise trois étapes qui vont effectivement matérialiser par rapport à ce qui se passe avant. Donc, première étape, Real tangible impact, donc un impact tangible, mesurable et énorme. Et là, vraiment, faisons l'effort de mesurer cet impact économique. Donc, nous, ce qu'on a fait chez T-Hive, c'est que sur le marché des couches de bébé, on avait vraiment mesuré combien de euros par an on va épargner aux acteurs. On est arrivé à un chiffre qui était 3,5 milliards avec l'équation qu'on a donnée, effectivement, on leur a montré comment on a fait l'étude. Écologique, on a dit 40 000 tonnes vont être épargnées de plastique par an. En fait, on leur a montré comment on a fait cet exercice. Vous voyez pourquoi c'est intéressant d'avoir un marché spécifique? Parce que quand tu fais ça, bah c'est beaucoup plus simple de donner des informations spécifiques et les gens ils vont dire, Ah oui, je comprends que sur ce marché, tu peux avoir un impact très important. Societal, donc equality, gender balance, etc. Et strategic, donc c'est là où c'est key enabling technologies, donc le KET. Donc Estelle avait listé par exemple les différentes axes sur lesquels l'Europe, par exemple, travaille beaucoup. Bah, si tu t'intéresses à pas mal ou tu t'inscris dans quelques KET, bah, il faut les lister, il faut mentionner que tu es dedans. Et bien sûr, la création de l'emploi. Et encore une fois, la création de l'emploi qui est cohérente avec ton projet. Deuxième étape, tu parles de ton deep tech qui s'adresse à un marché spécifique avec des value propositions qui doit être driven par le marché et pas techno push. Ils n'aiment absolument pas parce qu'ils vont le sentir. Si tu vas montrer techno push, ils vont pas l'aimer. State of the art, montrer que tu as publié, tu as des patents, etc. The willingness to pay et l'opportunité de scale up. Et la troisième étape qui est vraiment aussi très très essentielle, c'est l'équipe. Toujours, on met ça avant, donc avant tout, mais vraiment c'est important de mentionner ça tout le temps, de montrer que
Non seulement tu as de l'ambition, mais tu as un plan. Et le plan est actionable. Donc, tu peux faire ce que tu promets. C'est ambitieux et l'argent est là juste pour faciliter ou pour accélérer, pour enabler. Et ce qu'ils n'aiment pas, et c'est là où c'est important, ce qu'ils n'aiment pas de dire, ah oui, mais en fait, si tu me donnes 10 millions, en fait, là, je vais gagner le marché. Non, ça ne marche pas comme ça encore. Il faut montrer en fait, le 10 millions, j'ai besoin de 2 millions pour développer, pour ouvrir de bureaux, par exemple, aux États-Unis. Donc, ce genre de choses spécifiques. Et j'arrive à ce qui est vraiment le Holy Grail, comment tu vas faire de l'argent. Le business model doit être un différenciant énorme. Donc, T-Hive avait proposé un business model, par exemple, qui était très différenciant et ils ont travaillé dessus avec nous. Donc, ils ont parlé de, et ils ont dit qu'au-delà de tout ça, on avait beaucoup aimé votre business model. Donc, le business model, the best business model is a business model that can work. Donc, votre business model doit marcher, donc, doit être perçu positivement aussi par vos clients. Donc, j'accélère. Donc, c'est là où on dit, OK, bah, félicitations, tu as gagné. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un tout petit peu un mythe aujourd'hui, comment ça marche entre grant et equity. Bah, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le grant. Donc, sur le grant part, ça reste très standard, sauf s'il y a des choses qui ont changé. Mais je veux dire, il y a un grant agreement qui va être construit. Vous allez avoir un PO, un Project Officer, et avec elle ou avec lui, vous allez construire ce project. L'argent va être, je pense que, disponible dans vos comptes dans 3 mois ou quelque chose comme ça. Et nous, on a un consultant qui nous aide à faire le project management. Donc ça, c'est important. Après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Soit vous l'internalisez, mais après, il y a beaucoup de détails administratifs. Il faut le suivre. Il faut vraiment être dans les règles tout le temps. Donc, si important, c'est la partie, je dirais, equity. Et c'est là où peut-être je vais passer un peu plus de temps. Pour l'equity, nous, T-Hive, on était vraiment la première startup en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait 8 startups entreprises PME en France fin octobre 2019. Et ce qui se passait, c'est que ils ont prévu que ça va se passer très vite. Mais il y avait le Covid qui arrivait en même temps. Et au-delà de ça aussi, il y avait la construction aussi de ce pilot. C'est un pilot programme. Donc, c'était la première fois qu'ils ont fait ça. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, je ne vais pas communiquer des choses négatives parce que ça a pris plus qu'un an pour nous. Mais apparemment, là maintenant, ça va prendre jusqu'à 6 mois ou peut-être un peu plus vite que ça aussi. On a effectivement des communications avec 3 différentes parties. C'est ça peut-être qui a complexifié les choses. Ici, donc European Commission, EIB, la Banque d'investissement européen, EIC Fund. Donc c'est ça ce qui est important. Le EIC Fund, c'est ça ce qui a pris le plus de temps au tout début, parce que EIC Fund n'était pas créé. Donc là maintenant, l'EIC Fund est créé. Et l'EIC Fund, ce qu'il faut qu'on comprenne tous ensemble, c'est que l'EIC Fund se comporte comme un VC. Donc, c'est vraiment c'est un organisme comme un VC. Ils ont des targets de rentabilité, etc. Et ce qui s'est passé à la création, c'est que, en fait, ils ont cherché des partenaires qui vont être dans le EIC Fund et il n'y avait pas un match entre l'EIC Fund et le EC. Mais là, maintenant, apparemment, ça marche. Donc, tout va bien. Dans l'EIC Fund, vous allez avoir des VCs, des business angels. Donc, vraiment, vous allez faire affaire aux gens qui connaissent effectivement le terrain, le financement européen, même mondial, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Et je veux juste parler de quelque chose juste un step avant. Quand on est allé pitcher à Bruxelles, donc, il faisait très beau à Bruxelles, il pleuvait beaucoup et tout. Anyway, quand on est allé pitcher, donc, on ne savait pas. Devant qui on va pitcher? En fait, devant nous, il y avait des VCs, il y avait des business angels. Il y avait aussi des gens de EC. Donc, les questions qu'ils ont posées, c'était des questions très, très VC-like. Donc, vraiment comme si tu pitches pendant un roadshow, tu pitches devant des VCs et ils vont poser des questions très, très orientées VCs. Donc, c'est ça ce qui est très cool parce qu'on était aussi pendant un roadshow, donc on était très, très bien préparés. Et ça aide beaucoup de se mettre dans ce mode de pitching pour des VCs, quoi. Donc, il y a des étapes, 5 étapes.
Je sais qu'il y a beaucoup plus, mais moi, en tant que CEO, pour moi, c'est les 5 étapes. Après le OK pour la commission et l'EIC Fund, ils vont faire une due diligence générique, générale. Ils vont regarder les différentes choses. Ils vont regarder le dossier. Ils vont faire un tout petit peu de recherche, background, research, etc. Deuxième chose, ils vont faire un investment proposal. Votre contact à l'EIB ou à EIC Fund va faire un investment proposal. Et juste après ça, ils vont proposer au board, à l'EIC Fund, l'investment proposal qui va être accepté ou pas. Quand il est accepté, ils vont émettre un term sheet. Donc, le term sheet, c'est le moment où tu vas négocier avec l'EIC Fund ou avec l'EIB les différents termes de valorisation, de différents termes, effectivement, dans le term sheet. Ce qui est important aussi, il y a une petite caveat, parce qu'il y a une différence si tu as déjà des investisseurs chez toi, dans ton entreprise, ou tu n'as pas. Donc, si tu as des investisseurs, il y aura une discussion un tout petit peu différente, parce que la discussion de valorisation peut être faite avec des investisseurs qui peuvent peut-être remettre un peu plus d'argent. Si tu n'as pas d'investisseurs, c'est là où il y a notre cas, ils vont attendre. Soit ils vont te proposer des convertible notes, des obligations convertibles, soit ils vont te proposer. Soit ils vont te proposer de faire un co-financing, donc trouver d'autres investisseurs. Pourquoi ils font ça? Parce que l'EIC Fund ne sait pas aujourd'hui, peut-être plus tard ils vont le faire, mais aujourd'hui ils ne savent pas donner une valorisation. Ce n'est pas encore possible pour eux. Je dis, ça peut changer, donc ça peut changer pour le futur. Donc, ils ne vont pas faire ça, mais il y aura quand même une valorisation dans ce qui s'appelle le fallback position. Donc, il y a quand même aussi un intérêt de négocier ça, quoi. Si tout va bien, ils vont donner un term sheet, vous allez le signer. Tout de suite, il y aura un legal due diligence. Legal due diligence, ça va plus vite et c'est ça ce qu'on se fait aujourd'hui. Legal due diligence va donner lieu à un shareholders agreement ou convertible agreement. Donc, nous, hier, par exemple, on a reçu notre convertible agreement. Donc, ça, c'est les dernières étapes. Tu vas signer et après, il y a certaines étapes administratives et l'argent va arriver dans ton compte. Ça prend du temps. Mais c'est vraiment très similaire, quelque part, entre guillemets, similaire à ce qui se passe avec des VCs. Comment se préparer? Donc, deux, trois tips avant que je finisse et j'attends vos questions sur ce sujet. Moi, je pars toujours avec building trust, la construction de confiance. C'est très important de le faire dès le début. Donc, ça veut dire, tu vas pas parler avec eux, ah oui, pourquoi tu me réponds pas ou quelque chose. En fait, vraiment, il y a une relation à construire parce qu'ils vont devenir des actionnaires chez toi. Donc, ça veut dire, il y a une relation à faire. Même si c'était pas extrêmement réciproque comme on a senti, mais après, ça a évolué parce qu'on a vu que c'était pas facile. Donc, ils étaient toujours, toujours respectueux avec nous. Donc, il faut vraiment build the trust first. Deuxième truc, et ça, c'est plutôt opérationnel. Have a data room. Donc, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi le data room. Donc, pour un investisseur, toujours il demande un data room. Un data room, c'est un OneDrive ou d'autres choses ou Dropbox où tu vas mettre tous tes dossiers. Il faut que ça soit organisé sur le business plan, le business model, le plan financier, etc. Donc, le plus tôt que tu as ça, le plus vite que ça va aller. Donc, nous, heureusement, on avait ça parce qu'on a ce mindset d'organiser les choses dans mindset data room. Et on était en train de faire notre roadshow aussi. Donc, data room était prêt. On avait partagé tout de suite. Ils étaient très, très, très contents, effectivement. Ils ont dit oui, on avait toute l'information. Et quelque part, ça nous a accéléré un tout petit peu. Troisième chose, c'est d'avoir un law firm ou un advisor ou advisor légal. Ça peut être quelqu'un qui fait levée de fonds, si tu veux, mais peut-être c'est pas nécessaire, mais quelqu'un qui sait faire de l'augmentation de capital. Donc ça, c'est important et c'est essentiel. Et de communiquer avec cette personne les différentes étapes. Ça, ce qu'on fait nous, par exemple, avec notre avocat, on est toujours pendant très très longtemps, on communique avec lui sur comment ça se passe, etc. Donc comme ça, il est au courant et ça, c'est très important parce que le moment où ils vont partager un document, bah, t'as pas à réexpliquer tout à ton avocat ou avocate.
Donc, nous, ça nous a aidé beaucoup. Et il y a quelques trucs qui sont importants aussi parce que on fait face à la Commission européenne. Donc, c'est quelque part, on dit, waouh, c'est la Commission européenne. En fait, tu peux négocier. C'est tout à fait normal. Il faut négocier. C'est pas tu peux. Il faut négocier. Propose des idées. Donc, nous, on a proposé des différentes choses. Toujours, il commence avec, ah oui, mais ça, c'est standard. Oui, c'est standard, mais nous, on aimerait bien ça. Oui, à la fin, tu peux changer des choses. Donc, ça, c'est très important et n'hésitez pas à le faire et mettez-vous dans une posture de négociation, mais une posture de négociation win-win parce que à la fin, tu vas arriver à quelque chose d'équilibre entre toi et l'autre côté. Et bien sûr, si tu as des co-investisseurs, ça va simplifier beaucoup le process. Nous, on a vu que ça a ouvert l'appétit aussi pour pas mal de différents investisseurs. On a décidé effectivement de partir juste avec la Commission européenne pour la première partie. Et là, maintenant, on se prépare pour un deuxième tour. Donc, c'était une stratégie T-Hive. Mais tu peux effectivement, il faut voir la stratégie de ton entreprise, comment tu voudras effectivement construire l'histoire. Et après tout ça, effectivement, il faut aller avec beaucoup de résilience et beaucoup de positivisme. Et je finis avec ça, ravi d'écouter, d'entendre vos questions et d'échanger avec vous. Voilà, merci. Donc je vous donne. Merci. Merci. Donc je dois redonner Merci à. Annie. Merci. Juste une ou deux petites questions. N'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat si vous en avez. Une première question pour toi, Annie. L'EIC Fund se comporte comment en tant que VC? Et un peu, quelles sont les conditions de sortie qui ont été évoquées? Est-ce que c'est plutôt un investisseur passif? Est-ce qu'ils vont être très présents pendant toute la durée de leur présence au capital? Donc, on n'a pas encore discuté toutes ces informations, mais effectivement, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que ils peuvent sortir à un moment donné, mais avec un horizon un peu plus long terme que d'autres VCs. Leur intérêt, bien sûr, c'est d'attirer d'autres VCs parce que ils veulent effectivement accélérer l'entreprise. Donc là, nous, on parle d'un seed level de 8-6 millions. Donc, c'est vraiment un montant qui est plutôt conséquent. Et l'idée, c'est quelque part pour l'EIC Fund, c'est de ne pas devenir un majoritaire, mais c'est plutôt un minority investor. On parle minoritaire, ça veut dire autour 20% maximum au début, et peut-être ils commencent à réduire. En fait, ils veulent que leur investissement attire aussi d'autres investissements, et potentiellement, peut-être après, ils peuvent sortir ou pas. Donc, c'est ça ce qu'ils disent. Parce qu'ils peuvent ne pas sortir s'ils trouvent qu'effectivement, il y a un grand potentiel, ça crée un licorne ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça, c'est des différentes possibilités. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sophie. Oui, merci. Estelle, je crois que tu avais une question aussi. Ouais, j'ai une question qui est tombée pour Annie. Est-ce que donc vous étiez une start-up nouvellement créée, est-ce que vous aviez du chiffre d'affaires quand vous avez postulé à l'EIC ou pas? Et est-ce que finalement ce critère est important? Ouais, merci pour cette question. C'est une question très, très pertinente. On n'attend pas à avoir des millions de chiffres d'affaires. Nous, on avait 60 000 euros. Donc, vraiment tout simplement. Par contre, c'était des 60 000 euros très pertinents. Donc, c'est ça ce qui est important Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la cohérence. Donc, c'était 60 000 euros de plusieurs acteurs qui étaient dans notre marché et qui ont payé pour le POC. Donc, si j'ai 60 000 euros qui viennent de différents acteurs qui n'ont rien à voir avec le pitch que je donne, ben là, il n'y a pas de marque d'intérêt. Donc, ça, c'est à l'époque quand on a pitché. Par contre, bien sûr, quand tu vas montrer la potentialité, il ne faut pas hésiter à montrer que tu peux aller jusqu'à et au-delà 100 millions d'euros récurrents si c'est possible. Donc, notre ambition, T-Hive, c'était d'arriver à plusieurs centaines de millions d'euros de récurrents parce que notre business model est très orienté SaaS, même s'il y a la partie hardware. Donc, il faut montrer comment effectivement tu vas faire ça.
Mais les critères d'avoir beaucoup de chiffre d'affaires, si tu as beaucoup de chiffre d'affaires qui n'a rien à voir avec le marché, ils vont pas regarder ça positivement, je pense. Après, ils peuvent dire que oui, bravo, que tu arrives à faire du chiffre parce que ça veut dire que tu arrives à faire du business. Mais quand même, le critère, c'est est-ce que tu as fait un peu de chiffre d'affaires sur le marché, ou effectivement sur le projet que tu pitches à l'Europe. Merci. Est-ce qu'on a d'autres Merci. questions? Je regarde. Non, on n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez surtout pas dans le chat à poser vos questions. La séance est enregistrée, le webinaire est enregistré, donc un replay sera disponible également. Donc je vous propose de passer à la dernière partie. Laisser la parole à Fanny. Sophie, Oui. est-ce que je peux juste dire une chose, peut-être pour un takeaway Bien sûr. pour tout le monde? Ouais, Bien sûr. merci. En fait, pour nous, l'EIC Accelerator, au-delà de financement et le développement technologique, etc., ça nous a permis aussi de professionnaliser notre startup. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très, très clé. Qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser? Ben, là, aujourd'hui, on s'est mis avec un niveau d'exigence très, très élevé. On s'est réorganisé au sein de T-Hive. On a notre ERP, on a notre planning de production. On a vraiment, il y a l'excellence de management de l'entreprise aussi qui est vraiment très important. Et ça se voit effectivement quand tu travailles avec des clients, parce qu'on a des clients à l'export aujourd'hui, dès maintenant. Donc nos clients, ils sont pas en France, pas seulement en France. Donc le retour du client est super positif sur l'aspect, je dirais, relationnel et management. Et tout ça, c'est, je veux pas dire que l'argent fait ça, mais en fait l'exigence fait en sorte que t'es obligé de up your game et de commencer effectivement à travailler dur pour que ça se mature. Et ça, je trouve que ça, c'est très, très important. Si tu as un VC très, très tôt avec ce montant, bah en fait, ils vont mettre énormément de pression et peut-être ça peut déborder un tout petit peu. Je ne parle pas que ce n'est pas bien, ça peut être bien pour beaucoup, beaucoup de cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste comme un VC, mais en même temps, c'est la Commission européenne. Donc, c'est un tout petit peu un mélange entre VC et une institution qui veut construire, effectivement, ils sont à notre côté quelque part, ils veulent construire des entreprises en Europe, quoi. Voilà. Alors, C'était je tout. vois apparaître une nouvelle question. Est-ce que TI va dû ouvrir des bureaux à l'étranger pour satisfaire la Commission européenne? Dû ouvrir de bureaux. En fait, tout dépend de ton. Est-ce que tu as besoin d'ouvrir de bureaux à l'étranger? Nous, on a un plan de croissance qui va avoir des bureaux effectivement à l'étranger. Mais effectivement, peut-être je partagerai une petite anecdote. Donc, le Covid nous a poussé à se réorganiser parce qu'on n'était pas capable de voyager, quoi, par exemple. Donc, une chose qui était planifiée aussi dans notre plan initial, c'était de se rendre physiquement chez les industriels pour installer nos équipements. Et tout ça nous a demandé quelque part, dans notre plan de croissance, d'ouvrir de bureaux de distribution, etc. Et là, ça se trouve que, en fait, on peut faire ce qu'on voulait faire avant avec une présence physique, etc., qui coûte cher et tout, ça se fait à distance. Donc, avec un acteur en Allemagne, nord de l'Allemagne, on avait deux options. Soit on va là-bas, on va prendre 2 semaines, parce qu'une semaine, on va attendre, on va faire le test, et après, on va attendre aussi pour une quarantaine, etc. Et après, on va aller installer et tout, ça va coûter cher. Soit on envoie nos équipements avec un petit catalogue qui est très bien fait, qui explique comment faire et on va faire ça à distance, etc. Et ça se trouve qu'on a fait ça. En 30 minutes, c'était installé et le client était beaucoup plus content. Il a dit, mais franchement, on n'a jamais vu ça et on trouve que c'est mieux. Donc, quelque part, même l'histoire d'ouvrir des bureaux à l'étranger,
En fait, il faut revoir les choses par rapport au contexte d'aujourd'hui. Et là, j'ai un autre client aux Pays-Bas qui me dit, ah oui, mais moi, j'ai entendu que vous avez déployé à distance, bah, moi, ça m'intéresse. Donc, quelque part, ça ouvre même quelque part les voies et les possibilités. Donc, ça veut dire, il faut vraiment s'adapter. Donc, c'est ça ce qui était très cool aussi de notre côté. Et la Commission européenne, ils ont perçu ça positivement, quoi. Donc, nous, on avait alloué, exemple, si je me rappelle bien, je crois, 100 000 euros pour le voyage et tout. Bah, là, on a dit, en fait, c'est 100 000 euros, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de souci. Bah, tu peux effectivement changer le plan qui a demandé beaucoup d'investissement en travel et déploiement physique et tout. Et ils investissent par exemple, on a utilisé cet argent pour sécuriser, par exemple, le réseau de communication. Donc, ouvrir un bureau, c'est bien, mais c'est bien seulement si tu as vraiment besoin de ça. Et je pense que même aujourd'hui, ils peuvent quand même aussi challenger ça. Ils vont te demander, mais est-ce que tu peux pas le faire à distance? J'espère bien que j'ai répondu à la question de Richard. Je pense, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je voulais juste revenir sur sur ton retour, sur le fait que justement, avoir un VC, ça a permis de bien structurer l'entreprise, ça vous a mis un niveau d'exigence très élevé. C'est assez intéressant parce qu'on a souvent ce retour-là, même un cran avant, c'est-à-dire qu'on a souvent des entreprises qui nous disent après leur troisième dépôt, je n'ai pas obtenu le VC accélérateur, je n'ai pas été financé. Par contre, tout le travail qui a été nécessaire pour rédiger le document et pour réfléchir à mon modèle économique, pour réfléchir à ma stratégie de commercialisation, à ma stratégie de développement, ça m'a permis de faire passer une étape à mon entreprise. Donc là, on a l'étape d'après où tu as été financé, enfin Thierry a été financé et ça a permis de structurer l'entreprise, mais déjà juste sur le fait de postuler, comme c'est sur des dossiers qui sont très exigeants, ça permet vraiment à l'entreprise de progresser. Et de se structurer et de se poser les questions qui sont très, très importantes. Absolument. Il y a une chose aussi, Sophie, que nous, on fait systématiquement pour tous nos projets de financement. On a un success rate qui est très, très élevé sur nos projets de financement. Et je crois que c'est par rapport à ça, cette organisation nous aide aussi à déclencher pas mal de choses. J'avais juste deux choses, je l'avais noté, j'ai oublié d'en parler, mais moi, je commence avant que avant rédiger le dossier de 80, je ne me rappelle pas combien de pages, je fais le pitch deck d'abord. Donc, T-Hive, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on fait notre pitch deck. Et notre pitch deck doit être une vulgarisation ultime de ce qu'on fait. Et franchement, c'est ça ce qui nous aide aujourd'hui pour construire tous nos dossiers. En fait, c'est ce 10 pages ou 10 slides de pitch deck. Moi, j'ai une approche. Donc, je commence toujours avec le contexte, le problème, et après la solution. Donc, je commence pas avec la solution, machin. Donc, c'est toujours mon approche. Donc, quand tu parles de contexte, les gens, ils vont comprendre le truc. Et même toi aussi, tu vas comprendre sur quoi tu parles, en fait, de quoi tu parles. Donc, on parle de contexte et après, on va écrire le contexte. Bien sûr, il y a beaucoup de travail en amont. Donc, notre data room, c'est effectivement notre organisation de T-Hive, quoi. Donc, il y a une section qui s'appelle retour sur l'investissement et c'est blindé Excel sheet qui calcule en détail, qui évolue. Hein. Et juste, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus et il y a 2 semaines, on a évolué encore notre ROI calculator, donc calculette de retour sur investissement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on devient de plus en plus, je dirais, pertinent sur le marché. Et quand tu vas raconter ça, ben là, quand je pitch le use case sur lequel on a travaillé, même si je ne l'avais pas pitché parfaitement pour vous, mais quand je le pitch, je parle de vrais problèmes. Donc, les couches de bébé, il y a un matériau qui s'appelle polymère super absorbant. Il va absorber le pipi. Si on met trop, ça va coûter trop cher. Si on ne met pas assez, bah, ça va fuir et votre bébé, il ne va pas être content. Et ça se trouve que quand tu analyses ça, ça se trouve que l'industrie aujourd'hui galère parce qu'ils n'ont pas le moyen de mesurer ce matière première pendant la production. Donc, je sais pas si vous vous rappelez sur le télé, on voyait toujours petite couche bébé ou produits hygiéniques de femmes et ils vont mettre le truc bleu là, le liquide bleu. Et c'est comme ça en fait qu'ils font aujourd'hui. Et en fait, ça va pas ça, ça va pas. Et ça crée
3 milliards de overdose effectivement de ce polymère pour que ça fouille pas. 3 milliards d'euros par an. Et si ça fouille, donc bah il y aura des mamas et papas qui vont pas être contents, ils vont changer le brand, ils vont changer la marque. Donc c'est un coût aussi extra au-delà de ça. Donc ça se trouve que ce 3 milliards aussi c'est 40 000 tonnes de plastique extra par an, donc qu'on peut épargner. Avec le terahertz, regarde quand est-ce que je parlais de terahertz. Avec le terahertz, l'IA, je vais pouvoir mesurer la quantité exacte pendant la production. Ça veut dire, on va pas en mettre trop, on va pas en mettre peu. Et à la fin, ils vont hit the target. Le gain, c'est 3 milliards. C'est des bébés qui sont contents, des mamas qui sont contents, des papas qui sont contents. Et Tihad qui est content. Donc, vous voyez, c'est ça le pitch, notre pitch. Et après, on dit, bah, nous, en fait, on connaît très, très bien notre marché. On est expert de TRS, expert de AI. On a une équipe business. J'ai mentionné ça, mais on a une équipe business qui est très, très présent sur le réseaux sociaux, sur le, il connaît très bien le marché. On a des Procter & Gamble, des Essity, les acteurs qui parlent avec nous, qui disent, ah oui, c'est génial ce que vous faites, ils nous payent pour aller plus loin, etc. Bah, l'histoire, tiens, là, j'ai fait tout ça en 3 minutes. Donc, c'est ça mon pitch. Donc, je n'ai même pas 10 Et minutes, ça, c'est quoi. un conseil très important, effectivement, et qu'on peut redonner aussi régulièrement aux entreprises qu'on accompagne, c'est commencer par le pitch, commencer par roder votre discours et après vous le compléterez. Et quand vous passez à l'étape de rédaction de la full application, commencez par le pitch deck et par les 10 slides, parce qu'on a vu trop souvent des entreprises qui arrivent au dernier moment. Qui sont sélectionnés à Bruxelles pour le pitch et qui se rendent compte que les 10 slides qui ont été envoyés à la commission ne sont pas du tout adaptées, pertinentes, parce que ça a été un peu le parent pauvre et qu'on ne s'en avait pas occupé quand il fallait. Mais donc, commencer par le pitch, effectivement, ça permet vraiment de retrouver comment est-ce qu'on peut dérouler l'histoire, quel fil est-ce qu'on peut tirer pour dérouler l'histoire et pour montrer la proposition de valeur du projet. Et non pas rester que sur la partie technique, parce que s'il y a un élément à retenir sur le lycée accélérateur, c'est que si vous y êtes, si vous êtes là, si vous candidatez et que vous êtes retenu pour la full application, on n'a aucun doute sur le fait que votre produit est innovant et qu'il va fonctionner. Ce qu'on veut valider, c'est est-ce qu'il y a un marché. Et donc, c'est vraiment ce point-là qui est très important. Merci beaucoup, Annie. Je vous propose de passer à la dernière partie et laisser la parole à Fanny pour qu'elle nous présente les différents accompagnements existants pour bien préparer sa candidature. Alors, Fanny, normalement, tu dois pouvoir passer les slides, sinon Oui, tu me demandes. d'accord, je te demande donc à vous. Donc, ben bonjour à tous. Donc, Fanny De Kit, conseillère financement entreprise, financement innovation dans le cadre du réseau Enterprise Group Network à la CCI de la Drôme. Donc, avant de, voilà, avant de clôturer le webinaire, c'est de vous apporter quelques informations sur les accompagnements existants. Si vous souhaitez candidater au financement EIC Accelerator ou un autre financement européen. Alors, j'essaye de changer de slide. Alors, je le fais comme ça, ce sera plus rapide. D'accord. Pardon, je te remercie. Non, non, Beaucoup. Donc, au début du webinaire, Sophie, elle vous a présenté le réseau Enterprise Europe Network et ses différents services auprès des entreprises, dont l'accompagnement au financement de l'innovation. Donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plusieurs conseillers qui ont la spécialité financement de l'innovation. Et ces conseillers sont rattachés aux chambres de commerce et d'industrie et aussi également à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise dans le cadre d'un consortium régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, les missions de ces conseillers, c'est de vous accompagner à la démarche de financement de l'innovation, plus spécifiquement financement de l'innovation, financement européen.
Donc, tout d'abord, voilà, on démarre avec vous un diagnostic de votre projet pour voir, pour déjà prendre connaissance de votre projet, de la technologie, les dépenses qui restent à faire, la phase du projet et voilà, prendre connaissance d'un point de vue général de votre projet d'innovation. Et donc, du coup, de vous orienter vers les dispositifs de financement européen adaptés. Et ensuite, de vous accompagner sur l'outil voilà, de financement identifié en vous apportant donc des conseils, un regard externe bah, pour valoriser votre dossier, mais aussi pour sécuriser votre projet, la mise en œuvre de votre projet. Si, alors, EIC Accélérateur, comme l'a mentionné Estelle, c'est un projet monodéposant, mais il y a d'autres financements européens qui nécessite la mise en place d'un consortium. On peut également vous accompagner à la recherche de partenaires technologiques ou de R&D pour monter voilà, le consortium européen. Et également, on organise voilà, des sessions de relecture de dossiers de financement avant le dépôt d'un projet. Donc, c'est des sessions regroupant différents experts, des conseillers, mais également des points de contact nationaux. Et on organise également, si bah, par exemple dans le cadre du EIC Accélérateur, vous êtes retenu à la full application, des sessions pitch d'entraînement. On va passer à la slide suivante. J'essaie d'appuyer, mais je crois que ça ne marche pas. Alors. Oui, du coup, bah, là, merci beaucoup. Donc, il y a aussi également un autre dispositif qui s'appelle Ambition Région Internationale, participer à un projet européen. Donc, c'est un dispositif qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la vocation de ce dispositif, c'est d'aider, soutenir les entreprises pour qu'elles puissent intégrer, accéder, intégrer à des projets européens, ces projets européens qui sont directement financés par la Commission européenne. Alors, du coup, le déroulement de ce programme, donc en fait, ce programme, il est porté par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mais nous également, les CCI de la Drôme et d'autres acteurs économiques régionaux sont ambassadeurs de ce dispositif. Donc, le déroulement de ce dispositif, il démarre par un diagnostic donc, qui peut être réalisé par un conseiller de la CCI, de la CCI et par l'ensemble des ambassadeurs et par aussi Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc par un conseiller. Et ensuite, ce diagnostic, ça permet d'évaluer voilà, vos besoins dans le cadre bah, d'un projet européen. Et ce diagnostic peut découler, peut être suivi par une phase d'accompagnement. Cet accompagnement peut être fait en deux phases. Déjà, la première phase qui est un accompagnement de 4 jours, qui est conduit par un consultant référencé par la région, un consultant spécialisé dans les projets européens. Et cette phase d'accompagnement de 4 jours est financée par la région à hauteur de 80%. Ensuite, si vous le souhaitez, il est possible de poursuivre une autre phase d'accompagnement supplémentaire de 1 à 10 jours. Et là, il y a toujours aussi avec un consultant, voilà, et il y a une prise en charge à hauteur de 50% par la région. Juste pour information, la première étape qui est le diagnostic, ce diagnostic, il est gratuit pour l'entreprise. Et puis, ça ne vous oblige pas forcément à aller vers la phase d'accompagnement. Donc, les champs d'intervention de cet accompagnement, bah ça peut, voilà, on peut mettre à disposition de l'accompagnement par un consultant pour vous préparer à une candidature d'IIC Accélérateur, mais aussi pour vous appuyer, vous accompagner sur des questions d'ingénierie de projet européen, vous appuyer aussi sur la préparation à une réponse à un appel à projet collaboratif, ou aussi vous apporter de l'aide, de l'accompagnement pour la recherche de partenaires européens. Alors, du coup, voilà, c'est fini pour cette slide. Merci du coup. Voilà, Sophie vous a présenté le réseau voilà, EEN et voilà quelques personnes enfin, voilà, qui on est présentes aujourd'hui qui interviennent sur le financement de l'innovation.
Donc, il y a nos coordonnées si après vous voulez prendre contact ensuite. Juste avant de passer voilà, aux questions, juste, sur le chat, il y a un lien. On vous invite à prendre ce lien qui en fait est un questionnaire de satisfaction. Et voilà, voilà, si vous prenez ce lien, ça vous conduit sur une plateforme pour compléter ce questionnaire. Vous recevrez aussi par mail un autre complément de questionnaire de satisfaction. Donc voilà, ça permet voilà, de voir d'avoir vos retours sur cette matinée et d'apporter aussi des évolutions si on souhaite faire d'autres sessions prochainement. On vous remercie de votre attention. Merci également pour le témoignage qui était très très intéressant et très complet de Annie. On est à votre écoute là actuellement si vous avez des questions. Merci. Merci Fanny. On a effectivement une première question là dans le chat. N'hésitez pas à en poser d'autres. Donc, on a une question sur l'utilisation de ce dispositif dans le cadre d'une joint venture ou d'un rapprochement entre deux PME et startups, avec un projet deep tech évidemment sous-jacent. Donc, aujourd'hui, la Commission européenne accorde, on va dire, assez peu d'importance sur l'origine du projet, sur l'origine de l'innovation. L'objectif vraiment de ce dispositif, c'est d'aider à créer des entreprises, des futures licornes qui vont pouvoir, donc des licornes européennes qui vont pouvoir prendre le lead sur un marché européen ou mondial. Donc, ma réponse, ce serait qu'effectivement, si le projet issu de ce rapprochement est porté par une PME qui répond bien à la définition européenne de la PME, c'est-à-dire moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions de total de bilan. Et là, on va regarder les effectifs consolidés. Donc, tant que la PME qui porte le projet est une PME, enfin, tant que l'entreprise, pardon, qui porte le projet est une PME et qu'elle répond à tous les autres critères sur l'innovation de rupture, sur le potentiel marché, en théorie, oui, le IC accélérateur peut être un dispositif intéressant. Mais voilà, le critère, c'est vraiment est-ce que le dispositif est porté par une PME. Aujourd'hui, dans la nouvelle version, il est même possible de candidater alors que l'entreprise n'est pas encore créée. Donc, que ce soit une personne physique qui candidate ou que ce soit une personne morale, donc une autre entreprise en attendant que l'entreprise définitive qui portera le projet soit créée. C'est une possibilité qui a été ouverte également. Je regarde si nous avons d'autres questions. Un point sur lequel on n'a pas forcément insisté, Estelle l'a évoqué rapidement, c'est le nombre de candidatures, effectivement, depuis l'ouverture de la Short Application qui est ouverte en continu depuis quelques semaines. Il y a déjà eu 1 200 candidatures. On est sur un programme qui est extrêmement concurrentiel. Donc, il y a beaucoup d'appelés et effectivement assez peu d'élus. Ça va se tasser un petit peu avec les nouvelles procédures de soumission où il va y avoir des filtres avec le pre-screening, mais on vous encourage vraiment à vous faire accompagner par les structures que Fanny a pu présenter. Donc, on est tout un écosystème d'accompagnement public ou parapublic qui peut faire des accompagnements gratuits, donc avec le réseau EUL. Les CCI, l'Agence européenne d'entreprise, vous avez également les pôles de compétitivité qui peuvent travailler sur ces sujets-là. Et on a tous le même objectif qui est de vous accompagner et de vous aider à obtenir au maximum ce type de subvention. Donc on travaille en partenariat et il ne faut pas hésiter à solliciter plusieurs personnes différentes de votre écosystème pour cela. C'est un dispositif très intéressant, 70% de subvention. Sans limite de fonds propres, contrairement à la plupart des dispositifs français. C'est quand même quelque chose de très, très intéressant pour le développement des entreprises. Par contre, voilà, c'est très concurrentiel, donc ça vaut le coup de se faire accompagner, de bien travailler son sujet avant d'y aller.
pour optimiser ses chances. Et on est là pour vous, au-delà des cabinets conseils privés qui peuvent vous accompagner sur la rédaction des dossiers aussi. Sophie? Oui. En écoutant ce que tu viens de mentionner, 70%, donc il y a une chose qui est intéressante aussi à mentionner, c'est que ils financent 70%, donc ça veut dire que tu dois trouver 30% aussi pour le financement, sachant que tu peux dire, tu peux proposer ou tu peux demander à l'Europe de financer ce 30% avec de l'equity. Et ça, ce qu'on faisait nous. Donc, ça veut dire l'equity, une partie de l'equity peut intervenir pour le 30% et l'autre partie, c'est pour le TRL 8-9. Donc, parce que souvent aussi, il y a des gens qui disent, OK, bah, on a trouvé 70%, exemple pour 2,3 millions pour nous. Donc, ça veut dire que je dois avoir 1,3 million pour, ou 1,2 million, je pense, pour financer les 30% qui n'est pas peut-être disponible à tout moment pour des petites entreprises. Donc, dans la construction de dossiers de equity, si on fait de blended financing, dans ce cas-là, on peut dire que 30% sera, ou on demande que ça soit financé par l'EIC Fund et ça peut marcher. Ok, ouais, c'est important ce que tu dis. C'est important de le souligner, effectivement. Alors, je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'on mette fin à ce webinaire. N'hésitez pas, vous avez nos contacts. Vous pouvez les trouver facilement sur l'invitation également. Le webinaire va être mis en ligne sur YouTube, il me semble, pour que vous puissiez avoir accès au replay si nécessaire. Donc, vous pouvez retrouver nos coordonnées facilement pour nous contacter si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on discute sur votre projet, sa maturité par rapport à l'EIC Accélérateur ou par rapport à d'autres financements européens ou nationaux, nous sommes vraiment là pour ça et pour vous accompagner. Un grand merci à Annie pour ce témoignage très complet. Merci Estelle et Fanny pour votre participation également. Je vous souhaite du coup à tous une très bonne journée. Merci tout le monde. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.